La vie, t'as encore foutu une dérouillée? Ça me fait plus mal. Plonge, elle est froide, mais elle est bonne. Vas-y, allez, viens. On n'a pas pu se baigner tout l'hiver. Ah, elle est glacée. Ah, ça fait du bien. On avait trop chaud. Elle peut nous voir là. Qui ça? Maman. Bien sûr, depuis là-haut elle voit tout. Et comment tu sais qu'elle est là-haut? C'est ce que m'a dit le père Antonio. Les gens qui sont très gentils sur terre, ils vont tout droit au ciel. Ben dans ce cas, la vieille elle a du souci à se faire. Ouais. Let's go!
Ça va? Et Lucero? Viens, on rentre à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Ben, pendant qu'on gardait le troupeau, les loups, ils ont attaqué les chèvres et... Et? Ils en ont tué 5. Quoi? Mon Dieu, c'est pas vrai. Et vous les avez laissés où? Qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Le chien? On n'a rien pu faire. Me racontez pas de salade. Vous êtes que deux abrutis, même pas capables de garder les chèvres. Et en plus, vous me réveillez la petite. Foutez le camp! Ah! Foutez le camp, misérable! Je veux plus jamais vous voir. Dehors! Et arrête de me taper! Sont où les garçons? Ils devraient être en enfer. Les loups ont tué 5 chèvres. Non, t'as un chien. Comme on ne va pas pouvoir les rembourser au patron, il va falloir qu'on s'en aille d'ici. Non, mais où tu veux qu'on aille? On est fauchés, on n'a pas où aller. Écoute, trouve de l'argent vite fait. Moi, je bouge pas d'ici. Non, il est plus question que je m'entête. Mais enfin, tu vois pas qu'on a plus de quoi bouffer? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Tes deux gars, fous-les dehors. Après tout, ils sont assez grands. On voit bien que ce sont pas les tiens. Tristan, prépare ton baluchon, on s'en va. Où ça? On va voir le patron. Pourquoi? Pose-moi une question, dépêche-toi. Bon, d'accord, mais Juanito, il vient avec moi. Pas question. Lui, il reste ici. Je m'en vais pas sans Juanito. Toi, tu t'en vas d'ici maintenant. Alors vas-y, va préparer tes affaires. S'il te plaît, Juanito, ne laisse pas me chasser. Viens là. Allez, fiston, c'est l'heure d'y aller. Ils veulent m'amorcer de morveux. Lâche ton frère tout de suite. Non! Non, je m'en vais pas sans Juanito! Allez, pas, tu vas le chercher, ouais. Fais mal! Ne touche pas, je te l'ai! Ça le fait. Ah, Marco! Ah, papa, lâche-moi! Tu vas rester tranquille. Tu vas la fermer, oui! Marcos, attends! Allez, attends! Papa! Papa, attends-moi! Arrête-moi! Marcos!
Entrez. Pardon de vous déranger, monsieur Lestin. Que veux-tu? C'est le petit dont je vous ai parlé. Comment tu t'appelles, mon garçon? Marcos. On m'a dit que tu te débrouillais bien avec les chèvres. Oui, il se débrouille bien. Il a grandi avec. Zeferino! Zeferino! Oui, monsieur Onesto. Demain matin, très tôt, tu prends le gamin et tu le conduis au vieux. Oui, comme vous voudrez, monsieur. Attention, tu vas me rayer les bottes! Pardon, monsieur. C'est tout, Zeferino. Va vite me sceller mon cheval. À vos ordres, j'y vais. Mais alors... L'histoire des chèvres est réglée, hein, monsieur Onesto? Pour cette fois, c'est bon. Mais la prochaine fois, tu te retrouves à la rue. Est-ce que c'est clair? Hein, monsieur. C'est que ces derniers temps, les loups nous causent du souci. Arrête avec tes loups aussi, Cotosino. Je suis déjà assez bon de te laisser la maison et le cheval. Que Dieu vous garde pendant longtemps. Et vous le savez, moi, je suis là pour vous servir. Papa, où est-ce que tu vas? Ben, je rentre. Et moi? Descendre voir s'il est là. Allez. Hé, viens, suis-moi. Doroteo! Eh ben, Doroteo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? Rien, monsieur Zeferino. C'est ma femme qui est entrée dans les douleurs subitement et c'est moi qui ai dû sortir le petit. Et? Ben rien. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Arrête de te plaindre, j'en connais pour qui c'est pire. Encore une chose, monsieur Zeferino. Si ça vous fait rien avant de vous en aller, vous pourriez pas me laisser un petit sac de farine? Franchement, Doroteo, ce qu'il faut que tu fasses, c'est forniquer un peu moins. Et travailler un peu plus. C'est compris? Allez, on y va. Non, Pisquilla, laisse. Avec un peu de chance, il se fera bouffer par les loups dans ces montagnes perdues. Allez, gamin, qu'est-ce que t'attends?
Bonsoir, Seferino. Bonne nuit à vous, sergent. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin aussi tard? Oh. On a volé les cochons dans la ferme de M. Martin. Ils disent que c'est El Balilla. Vous êtes au courant? Non, je sais rien, mais vous inquiétez pas, si j'apprends quelque chose, vous serez le premier à le savoir. Vous savez bien que ça me tient à cœur d'en finir une fois pour toutes avec cette crapule. Et en plus, M. Martin offre une très grosse récompense. Combien? On parle de 20 000 douros. 20 000 douros? On y va! Bonne nuit, sergent, et bonne continuation. Allez, bonne nuit. C'est vraiment un bel enfoiré, Spalilla. T'en as entendu parler? C'est un bandit. Un fils de pute comme lui, on n'en voit pas souvent, non? À la fin de la guerre, il est parti dans les montagnes et il attaque tous ceux qu'il croise. Prie pour jamais le rencontrer. Silence. Il faut avoir des tripes pour vivre ici, hein. Viens, on descend. Bonjour, Atanasio. Eh ben, ça te réussit, la vie à la montagne. T'es toujours d'aussi mauvais poil, hein? Tiens, je te laisse un sac de blé, ça te permettra de passer l'été. Allez, je reviendrai en automne chercher les chevrons. Et les autres cinq alors? Si tu me dis où se cache El Balilla, c'est tout pour toi. Quoi, tu dis rien? Au revoir. Ah, et occupe-toi du gamin, je te l'ai amené pour qu'il t'aide avec les chèvres. Mets-la-toi autour du cou. À chaque chèvre qui entre dans l'enclos, toi, tu dois mettre une petite pierre dans l'autre boîte. C'est compris? S'il te reste des pierres, c'est qu'il te manque des chèvres. Et toi, tu vas les chercher. Oui, monsieur. Toi, entre.
monsieur. Toi, tu dors là.
toi. Allez, allez. Voilà. Allez. Allez, hop. Hop. Allez, hop. Allez, minéraux. Allez, viens, l'ami des rois. Allez. Hé, petit! Conduis-les à l'enclos! Allez, les biches! Plus vite que ça! Ha! Fais pas de pile, Luna. Hé, hey, toi, viens donc par ici. Elle s'est fait piquer? Non. Elle s'est cassée la patte. Apporte-moi deux bâtons, une branche de ciste et un peu de saint-bois. Calme-toi, Lunara, calme-toi. D'ici deux semaines, tu bondiras comme un petit chevreuil. Lunara, Lunara, allez, calme-toi. Tiens-lui la tête. Le ciste, c'est bon pour les coups. Allez, ramène-la à la grotte.
Tiens, va me chercher un peu de romarin. Encore heureux qu'il ait senti ton lièvre. Sinon, c'est toi qui l'aurais attaqué. Faut faire très attention avec les loups solitaires. Reviens maintenant. Mais ne le quitte pas des yeux. Maintenant, t'as appris comment te les mettre dans la poche. Avant de passer à l'attaque, ils passent près de toi. D'un côté et puis de l'autre. Plusieurs fois. Et ils te frôlent. Pour que tu prennes peur. Et quand tu te mets à courir, il t'attrape à la gorge, et là, c'est la fin. Et ils vous ont jamais rien fait, à vous ? Au début, quand je suis arrivé ici, ils ont commencé par me tuer quelques petites chèvres. Mais ensuite, j'ai trouvé moyen de m'entendre avec eux, et aujourd'hui, ils me respectent. Et comment vous avez fait ? Ben justement, comme toi aujourd'hui. En leur donnant un peu de nourriture de temps en temps. Maintenant, pose-le. Maintenant, tu le mets dans le trou. Attention, il est là. C'est là que les griffes viennent se poser.
juste à cet endroit. C'était bien rare qu'elle me cogne pas une fois par jour. Elle nous a jamais aimés. Ni moi, ni mon frère. Mon père, il lui a jamais tenu tête. Mais avec vous, je me sens vraiment bien. Qui c'est encore ? Il n'y a pas de danger. C'est El Balia. Ramito, monte la garde. Bah, c'est toujours pareil. Ils ont attaqué la ferme de M. Samuel et ils ont même tué un gardien. Tous les oiseaux mangent le blé, mais c'est toujours le moineau qu'on accuse. Et celui qui a des couilles, qui a passé toute sa vie à lutter pour qu'il y ait une justice. Et pourquoi, en fin de compte? Pour finir comme ça? On est devenus des fugitifs. Ça fait 4 jours qu'on n'a pas dormi. Hier, Doroteo nous a dit qu'il y avait 50 de gardes civils qui nous cherchaient. Maintenant, je le comprends, salopard. Qui ça? Ben, c'est Ferino. Il aurait dû me laisser 5 sacs de blé, salaud. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il me les donnerait seulement si je lui disais où tu te cachais. Enfant de salaud. Qu'est-ce qu'il peut me détester, ce fils de pute? Depuis que les gardes civils ont tué son frère, il s'est mis dans la tête que c'était nous qui avions fait le coup. Quand je suis arrivé ici avec Monsieur Seferino, on a rencontré les gardes civils. C'est vous qui le recherchez. Ils ont dit que vous aviez volé des cochons chez Monsieur Martin. Quel fumier. Et ils ont demandé à Monsieur Seferino s'il savait où vous étiez. Eh ? Et ils ont dit qu'il y aurait beaucoup d'argent pour celui qui vous dénoncerait. Si jamais je le croise, il va goûter à ma lame. On y va. Restez encore un peu pour vous reposer, Balia. Non, les flics peuvent arriver d'un instant à l'autre. Ouais. Tiens. Picciotte, emporte ça. Merci. Et faites bien attention. Athanasio. Et vous? Quoi, moi? Pourquoi vous vivez seul? Vous avez pas de famille? Plus beaucoup. Ma femme et mes enfants, ils ont été tués pendant la guerre. J'étais dans la montagne avec les chèvres. Tout d'un coup, j'entends un bombardement. Je savais qu'il avait dû se passer quelque chose. Et je suis redescendu en courant au village. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais qu'une envie, c'était mourir. Le seul qui a survécu, c'est mon Thomas, le plus grand. Il était sorti dans la rue pour combattre. J'ai tout perdu. Tout ce que j'aimais dans cette vie. Et donc, je suis venu vivre ici. Et je suis encore là, avec mon chagrin que je garde là au fond de moi. Oh bon Dieu, ils les ont rattrapés.
parti, descends avec les chèvres aujourd'hui. Moi, je vais rester ici. Je me sens... pas bien. Vous voulez que je vous rapporte du lait ? Non, non, ne me rapporte rien. J'ai pas d'appétit aujourd'hui. Bon, à ce soir alors. Vite à bouillir. Faites qu'il guérisse bientôt. Je veux pas m'en aller d'ici.
monsieur. Pourquoi vous vous êtes mis là? J'avais beaucoup trop chaud. Et ici, au moins, il y a une petite brise. Vous avez toujours mal? Ouais. Tu sais, je vais m'en aller. Où ça? Vous pouvez même pas marcher? Bien loin. Et ça fait bien longtemps que je veux y aller. Moi aussi, je viens avec vous. Pourquoi? Pour être avec ma mère. Écoute. Si t'arrives à survivre, et qu'un de ces jours, tu croises son chemin... De qui? Celui d'Albaïr. N'aie pas peur. C'est mon fils. Mon Thomas. Tiens. Ça va te protéger. Et surtout, souviens-toi. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Thank you.
Allez, viens, Minero.
Ignacio! Où est encore passé ce vieux fou? Hey. Caragorda, monte un peu là-haut voir s'il y est. Athanasio, nom de Dieu, j'ai pas que ça à faire! Personne s'occupe des chèvres, là! Alors, comme ça, vous voulez jouer à cache-cache? Vous voyez bien qu'il n'y a personne. Nom de Dieu, va chercher les chèvres. T'as crevé sans rien dire, hein? Thank you.
le dernier mot. Arrêtez de tirer! Non, monsieur. Il y en a un qui s'est échappé. T'inquiète pas, il est blessé à mort. Karagorda, charge-les sur les chevaux. À vos ordres, chef. Bien, Manuel. Dépêchez-vous. On y va.
Tiens, mange un peu. Petit loup, il va rien t'arriver de mal. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Thank you.
Salaud, ils m'ont bien eu. Tiens, prends ça. Il reste 3 balles. Chut. Jette le couteau. Jette-le! Où il est planqué, le Balia? Tu me le dis ou je te tue? Où il est planqué, le Balia? Où ça? Petit salaud. Bientôt toi aussi tu seras 6 pieds sous terre.
Il s'est évanoui dans la nature. Nom de Dieu, comment il a pu s'échapper? Ah, j'y comprends rien. On a cherché partout. Ramirez! Oui, sergent. On va aller voir au ruisseau del Fraile avant qu'il fasse nuit. À vos ordres. Et vous, occupez-vous de ramener le Cro-Magnon. Vous inquiétez pas, sergent. Avant la nuit, il pourrira dans une cellule. Caragorda, tu pars avec eux. À vos ordres, chef. On y va. Manuel, on va faire un tour à la cabane de Doroteo. Parce qu'à la campagne, on en sait toujours plus que ce qu'on dit. On y va. Écoute-moi. Demain, au lever du soleil, toi et les tiens, vous débarrassez le plancher. Mais pourquoi? C'est Monsieur Onesto qui le veut. Monsieur, je vous en supplie. J'ai vécu toute ma vie ici. Ma femme et mes gosses sont enterrés là, dehors. Vous pouvez pas me faire ça. Ce sont les ordres de Monsieur Onesto. Mais je peux t'aider, ça dépend de toi. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas me dire une bonne fois pour toutes où se trouvait le Balia. Monsieur Seferino, je vous l'ai déjà dit 100 fois, je vous le jure sur mes morts qui sont enterrés là-dehors, que j'ignore où est le Balia. Fais tes bagages, imbécile. Je sais où vous pouvez le trouver, monsieur Seferino. Pisquilla, rentre à l'intérieur, c'est pas tes affaires. Où il est, Pisquilla? Où est-ce qu'il est, nom de Dieu? Je l'ai vu à la cabane du Born bien des fois. Là où sont enterrés tous ses amis. C'est là qu'il est. Putain d'enfoiré! Chef! Chef! Vous voulez que je vous accompagne? C'est du vieux qui gardera le Cro-Magnon. Comment tu sais, toi, qu'il va parfois à la cabane du Borgne? J'en sais rien. Mais c'est la pleine lune cette nuit. Et il nous arrive du brouillard, papa. Sergent, il est passé où, Seferino? Ne fais pas trop de soucis pour ton chef, Caragorda. Il est sûrement au village en train de se bourrer la gueule.
Mmh.